Salut à tous, c'est Titou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais dit sur mon serveur Discord que j'allais pas en faire ce dimanche, mais finalement on se retrouve pour une ouverture Pokémon, la première de 2022. Parce que pour ceux qui ont vu les vidéos jusqu'à maintenant, en fait c'était des rediffusions des lives que j'avais fait le 31 décembre. Et aujourd'hui on va ouvrir non pas une mais deux nouveautés. Nous allons ouvrir le coffret Oupavé ainsi que les nouveaux Diopack. Voilà. Et du coup, je sais que j'avais dit que je faisais pas de vidéo, comme je l'ai dit sur mon Discord. Mais finalement, j'ai décidé d'en faire une, mais un petit peu plus courte que prévu. Donc alors, déjà, j'utilise un autre micro, donc je pense que ça s'entend. J'utilise un de mes anciens micros. Donc du coup, voilà, on va ouvrir ce genre de truc. Donc alors, après Pokémon, moi j'ai déjà objectif hein, depuis le début d'année. C'est que genre j'ai 3 sets à compléter. Enfin plus 2 parce qu'il y en a un que je vais peut-être abandonner. Il y a bien évidemment mon set de célébration. Il me manque plus que 9 cartes. J'ai aussi un set de Reine de Glace. D'ailleurs, ici, il y a un truc qui m'intéresse. Parce que regardez-moi ça. En fait, c'est pas des cartes promo, c'est des cartes d'extension. Et celle-là, c'est une carte de Reine de Glace. Donc, je suis trop content. Parce que du coup, ça va me faire une carte en plus. Donc, du coup, on va ouvrir ça en premier. Hein. Mais ouais, du coup, ça va être mes petits objectifs de 2022. Essayer de compléter. Ah oui, et aussi, j'ai un petit. Le troisième set que j'ai, en fait, c'est Style de combat. Où j'avais décidé de faire un master set, mais je pense que c'est celui-là que je vais abandonner parce qu'en vrai le style de combat bof quoi. Enfin style de combat c'est que j'en trouve moins des bons trucs que Reine de Glace en fait. Donc alors hop déjà oh là là c'est tellement bizarre de reprendre des paquets comme ça parce que c'est ma première de 2022 que je bon, par contre j'arrive pas à ouvrir le duo pack, c'est terrible, j'arrive pas à ouvrir ce pack. Non, je vais y arriver. Parce que j'ai pas envie de tout déboîter, mais bon, apparemment, on n'a pas de choix. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Non, on regarde à la fin. On regarde à la fin. Mais ouais, du coup, dites-moi si ça vous plaît ce genre de truc à la fin. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Il y a celle-là qu'il faut pas que j'abîme. Celle-là qu'il faut pas que j'abîme. La petite carte de Reine de Glace. Et puis, allez, le booster vient ici. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à ouvrir le pack. Donc, du coup, on a quoi comme carte promo? Nous avons un Boreas qui vient de. C'est quoi c'est Voltage éclatant, je crois. Nous avons un Fulgurize de Reine de Glace. Donc ça tombe bien. Je fais une petite collection et j'en ai pas. Donc alors, toi. C'est quoi les trois? Je vais les sliver parce que mon sleeve, c'est pas ça qui me manque. Hein, parce que j'en ai littéralement 3 tonnes. Donc alors, on va mettre 3 petits protèges plastiques. Un peu dans les plastico. Donc celle-là, c'est bon. Et on a Demeritos, donc attention, deux points fusion. Bon, après, ça c'est un peu normal. Bon, point fusion, je sais pas de 7. Mais après, celui que je pense que je vais peut-être essayer, mais je sais pas combien il y a de cartes dedans. Mais peut-être j'ai essayé un set de. Comment ça s'appelle? Star Étincelante. Sa prochaine extension qui sort. Et le code pour vous, les amis, attention. Je sais pas si vous voyez trop avec le focus. Tac, allez, allez, allez. Allez, le focus. Merci. Ben, oh mais attends le code le carte à code il est beaucoup épais là je trouve. Ah oui parce que c'est les nouveaux. Non en fait regarde, le center il est pas court avec du carte truc à code. Et du coup nous avons deux petits boosters ici. Donc on a point fusion et évolution céleste. Excusez-moi, je viens de taper dans la caméra. Et puis un jeton de Tortank. Il est magnifique. Est-ce qu'on ouvre le Oupavé ou pas? Encore. Ouais, on va l'ouvrir, hein. Vous savez quoi le Oupavé? On va ouvrir le Oupavé. Hop, et du coup moi je vous dis. À très bientôt, parce que le temps que je l'ouvre. Ah non, ça va, il est facile celui-là. Hop, ou pavé, ça prend 2 secondes à l'ouvrir. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, une petite vidéo Pokémon un peu chill comme ça. Voilà. Ah non, j'ai rien dit. Donc alors, malheureusement, j'aurais bien voulu trouver les coffrets V-Star. Mais en fait, je sais pas pourquoi, les coffrets V-Star sont complètement abusés niveau prix. Genre, autant ce coffret-là, c'est 25 euros, donc le prix de base. Autant les V-Star, donc je parle des nouveaux coffrets V-Star qui sont sortis récemment. Autant les V-Star, mais ils sont à 35 euros. Genre, c'est abusé les prix. Ça, j'en ai pas pris. Donc voilà, petite carte promo ou pas V. Après, ce que je cherche, c'est les V-Max. Les fameux Aqualie et tout V-Max parce qu'ils ont prévu d'en sortir. Donc ça, c'est le format Jumbo que je vais pouvoir mettre dans mon truc. Et là, du coup, nous avons deux boosters points de fusion. Un booster Reine de Glace, donc ça m'intéresse, je fais un set. Et Clash des Rebelles, ça m'intéresse moins parce que je fais pas de set. Et du coup, voilà. Et puis hop, le petit code pour vous. Et puis voilà. Voilà. Ah, ça c'est un ancien code par contre. Vous voyez, ça c'est un ancien code. Et du coup, nous avons 6 boosters à ouvrir. Donc du coup, voilà. Donc allez, on va commencer bah, justement par celui qui vient en premier, le Évolution Céleste.
Voilà, ça fait très très longtemps que j'ai pu ouvrir de cartes Pokémon. Bah, ça fait un mois pour vous dire. Ça fait littéralement un mois. Donc alors, on n'est pas en anglais, donc on peut voir les cartes à code. Donc hop, 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 allez, 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 allez. Focus. La cam. T'as 3 heures après, merci. Et du coup, comment on fait? Ah oui, 1, 2, 3, 4. Et puis on va commencer énergie. Ou alors je peux faire 3 cartes, c'est vrai. Énergie psychique, nous avons Chaz, Guerrier Aigle, nous avons Pifeuil, Ténéfix, Goupilou, Grelasson, Carvana, oui c'est ça, Emolga, Mastouf, et attention, est-ce qu'on a déjà un premier hit? Non, je crois pas. Ah, peut-être une holo, peut-être? Non, même pas une holo, Dilatiche. Oh, elle est stylée la carte, je trouve. Ouais, elle est vraiment stylée la carte. Donc ça, c'était pour l'évolution céleste. Là, on va passer au petit point fusion. Point fusion, en fait, il y en a plein qui disent que c'est nul, mais moi, j'ai toujours eu des hits à chaque fois. J'ai toujours eu des bons hits dedans. Donc, je sais pas. Après, ça dépend des gens. Ça dépend des gens, parce qu'il y en a qui n'ont pas de bons trucs. Voilà. Parce que je joue pas à Pokémon Online, pour ceux qui veulent savoir. Vas-y, je vais faire 3 cartes. En fait, c'est juste l'énergie qui compte à la dernière. Qui est à la dernière, mais c'est pas... Scoot. Nous avons énergie point fusion, Boumata, Corailum Galar, Quillfish, Goupix, Levenard, nous avons Zigzagoon Galar, nous avons Flobio, et attention, attention, non, nous avons un petit Leuphorie, donc ça c'était les duo packs, et bon, ça c'est l'énergie, mais bon, ça on s'en fout. Ouais, donc ça c'était les duo packs, donc bon, pas grand chose d'intéressant, comme vous avez vu. Oups, je viens de me faire un petit. Alors, du coup, on ouvre quoi comme pack à la fin? Reine de glace, on va le garder en dernier. Le Reine de glace, on va le garder en dernier. On va faire Clash des rebelles. Ouais, donc le Pokémon Online, j'y joue pas. Enfin, je voulais y jouer au Pokémon Online, mais je sais pas pourquoi. Il veut pas me mettre prendre en compte mon email. Donc, je peux pas y jouer. Parce que là, si les codes, personne les prend, j'ai justement plein de trucs à faire. Dites-moi si vous aimez quand je fais bouger 3 cartes ou 4 cartes. Parce que si je vais bouger 4 cartes, ça veut dire qu'il y a l'énergie d'abord, mais sinon. Mais bon, l'énergie, on peut déjà l'enlever. Batrachnée. Épuisette de rappel. Pijako. Oh, je la connais pas cette carte. Smogo. Grimalin. Nous avons un Lixi. Bakabou. Oh, stylé cela. C'est juste qu'il est un peu au milieu de nulle part, le pauvre. Charbi. Nous avons Tarinor en reverse. Et non, toujours pas. Ronguignou en rare. Voilà. Pas fou, hein. Pas fou pour l'instant. On va pas se mentir, hein, que c'est pas fou pour l'instant. Donc j'ai évité de mettre les cartes à côté. Du coup, on va ouvrir le petit Mew. Allez, au moins un hit, s'il vous plaît. Au moins des hits. Au moins un hit. Après, il y a d'autres. Préparez-vous parce que je sais pas si c'est la vidéo de dimanche prochain, quoi que non. Les deux prochaines vidéos qui arrivent, ça va vraiment être du lourd, quoi, ce qu'on va ouvrir. Genre, ça va être un truc que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Et puis, un truc qu'on a. What? Ouais, t'attends. C'est bizarre là ce que ça fait le QR code. Regarde-moi ça. C'est bizarre. Du coup, je vous ai caché les dernières lettres. Du coup, une, deux, trois. Vas-y, je vais faire une, deux, trois. Et puis, on va faire comme ça. Merde. Je crois que j'ai spoilé la dernière carte. Ouais, ben voilà. Donc, ça veut dire qu'à la fin, on a un Stelix. Bon, allez, on va faire comme ça. Du coup, qu'à la fin, on a un Stelix. Oh, ça va, holo rare. Enfin, c'est un holo. Donc, Limagma, voilà. Darumar, Mimi. Sange, Makuhita, pardon. Fantine, nous avons Frissonnille, Belle de Neige, Gant Spongieux et Mouflon. Voilà. Donc ça, c'était fait. Les holos, je vais les mettre là. On va ouvrir le dernier booster point de fusion. Point de fusion, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de hit. Enfin, c'est impossible. Faut au moins qu'on ait une bonne carte. Là, on va au moins avoir une bonne carte, je pense. Je pense que là, de toute façon, si c'est pas là, c'est peut-être au règne de glace qu'on va voir. Donc du coup, hop, le code, et du coup, 1, 2, 3, hop. Parce que la dernière, c'est l'énergie. Oh, j'ai vu quelque chose, je crois. Alors, on a Pachyraja, on a Volcaropod, nous avons Chrysapil, nous avons Escargom, Rototop, Gobou, Sapero, Chenipan, Lucanon, hey, vous voyez quelque chose là? Oh, c'est une full art? C'est une full art, je crois. On a qui? Oh, joli! Crabominable V en full art. Regardez-moi ça. Et ça, c'est l'énergie, je m'en fous.
Mais joli, voilà le fameux hit qu'on attendait. Voilà le hit. Allez, on va prendre un petit bout de plastico et on va te mettre là-dedans. Bon, finalement, j'avais dit vidéo beaucoup plus courte, mais en fait, j'ai tellement parlé que c'était pas justement. Bon, attendez, j'aimerais vous montrer un peu la carte. Voilà. En fait, il y a la lumière du contre-jour. Et du coup, on va terminer avec ce fameux petit booster Rain de Glace. Attendez. Les points fusion, on va les mettre là. Voilà. Et on va terminer avec ce booster Rain de Glace. Est-ce que je pourrais avoir des cartes que je n'ai pas pour Master 7? Ah oui, par contre pour les Master 7, je ne collectionne pas les Reverse. Parce que les Reverse, c'est infernal pour les avoir. Et du coup, 1, 2, 3, hop. Nous avons. Non, je sais pas si j'ai vu quelque chose ou pas. Nous avons Dylan, ça je crois que je l'ai. Plastron de Galar, je sais plus. Percy. Oh, je l'ai pas celle-là, je crois. Percy, je l'ai pas. Whistampo, je l'ai. Watt-Watt, je l'ai. Brocabou, je l'ai. Sucroca, je l'ai. Le classe, je me rappelle plus. But du dinar, ça les reverse, je m'en fous. Oh, Persia en rainbow. Oh non, c'est une secrète. Oh non, trop dommage. Enfin, je suis content de l'avoir, mais en fait, pour Reine de Glace, je ne collectionne pas les secrètes parce qu'il y en a beaucoup trop, en fait. Je collectionne pas les secrètes, en fait. Donc, je suis content de l'avoir, mais pas trop parce que je collectionne pas les secrètes. Parce qu'en fait, dites-vous que par exemple sur mon set, je ne collectionne que les. Attendez, s'il veut bien me montrer. Que les 198 cartes. Donc ce qui va au-dessus, là, c'est 213 sur 198. Ah, malheureusement. Malheureusement. Après, est-ce qu'elle se revend bien ou pas, celle-là? Parce que je peux la revendre. Bon, bah, ça va. Elle était pas mal quand même, l'ouverture. Hein, regardez-moi ça. Une full art et une rainbow. Allez. Kittimio, Kittimio. Donc, du coup, voilà. C'était la fin de ma première ouverture de 2022. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le petit pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain pour quelque chose d'encore mieux. Salut, salut!